On continue. Et c'est parti. Marcus Blackwell. A connected Chicago family. Donc c'est soit la mafia, soit politique. Ah d'accord, en fait il veut me tuer lui. Ok. Il a quoi comme voiture le bonhomme? Ouais. Quelle enflure. Ma belle voiture volée. Ah d'accord, c'est du race à checkpoint. C'est pas facile, c'est la nuit, donc du coup... c'est pas super facile pour voir où est la route. Ça va, hurry up. Wouhou. Je viens de me suicider d'une très belle manière. C'est pas facile d'éviter un camion comme ça. Super. Au moins, je suis retombé sur la route. C'est bien, faut positiver. Ça suffit un moment là. J'aime particulièrement le drifting bonus alors que je viens de faire quasiment un tonneau. Mais non, le jeu me file un drifting bonus quoi. Ça me paraît tout à fait normal et classique. Bon, par contre, ce qui m'ennuie, c'est de ne pas voir. Déjà d'avoir fait ça. C'était complètement idiot de tenter de prendre le raccourci en étant sur une ligne comme ça. Qui va me faire reprendre à des kilomètres de là. C'est bien, en même temps, ça fait de la vie pour la série, quoi. Bon, je vais pas turbo à cet endroit-là. Là, c'est même pas la peine d'y penser, je vais pas y arriver. On va quand même tenter, mais... je ne vois pas comment je vais pouvoir arriver. Donc... 20 secondes pour aller chercher un checkpoint, ça me paraît difficile. Ça me paraît très difficile. Drifto. Pff, 10 secondes et je vois même pas où il est sur la minimap. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que vu comment je suis en train de conduire cette Aston Martin, c'est un miracle. Là, c'est n'importe quoi ma conduite. Mais à un taux qui est impressionnant. Pourtant, elle n'est pas si difficile que ça à conduire. Super, une bagnole qui moule. Je lui suis passé au-dessus, là. On est d'accord. Alors ça, c'est du rattrapage de temps. Je pense que toutes les suspensions de l'Aston Martin sont ruinées et n'existent plus. Non, on a dit pas de 4x4. Pas 200 km/h dans une Aston Martin. Hop, hop, hop. Je suis en train de partir de tous les côtés avec ma voiture. Je pense que je dois avoir un abonnement chez un changeur de pare-brise et de vitres latérales et de capot et d'optique et de suspension. Et même sûrement de moteur. Parce que là, c'est un peu critique. Et hop, encore une fois, on continue.
Rockville Zion National Park. Très 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 beau parc dans l'Utah. Effectivement. C'est encore une fois. Oui, bah un très très bel endroit où aller aux États-Unis en vacances un jour. Les plus vite. 208 km/h, c'est pas mal, c'est stable, c'est stable. Qu'est-ce que c'est ennuyeux ces chargements. Allez, plus vite. Oula, du 4x4 avec une Aston Martin. Ça va être drôle. Surtout que c'est un peu petit. Il n'y en a pas des kilomètres. J'ai le soleil bien dans le pif. Et c'est tout petit pour doubler. Donc ça va pas être évitant du tout tout ça. Bon, au moins l'avantage c'est que normalement, en théorie, on ne devrait pas trop avoir de flics à cet endroit-ci. Mais moi j'arrive pas à rester sur la route. Hop, je lui ai fermé la porte. Et j'ai fait faire un peu. Il faut que j'arrête de faire du 4x4 n'importe où. Hein. De toute manière, ça, je sens que ça va être un race qu'il va falloir reprendre parce que je vais jamais réussir à les rattraper. Même s'il y a une très forte dose de Rubber Band, ça va jamais être possible. J'ai essayé de jouer à je m'appuie sur toi pour passer le virage, mais ça n'a pas très bien marché. Là, je viens de me tenter le je freine et je turbo en même temps pour essayer de passer le virage. Ça n'a pas très bien marché. Alors celui-ci, on va faire quoi? On va faire je freine, je turbo, je freine et je m'arrête carrément parce que j'ai trop freiné. Super. Pourquoi j'ai parlé de flic? Bon là maintenant ce coup-ci par contre il a une raison d'aller vers moi plus que les autres parce que moi au moins j'ai volé une voiture. En même temps les autres je ne sais pas mais c'est là je viens de me suicider encore une fois. Du coup il me reste 2,5 km pour bouffer les 3 que j'ai devant moi. Mais enfoiré de flic. Mais juste mais vire toi. Ah, bouge ta Mustang. Ah là là. C'est pas possible. Bon là avec le jeu d'ombre je ne vois pas du tout où est la route. Je fais du pif. Hop. Ça c'était très dommage parce que mon virage. Bon on reprend parce que mon virage était quasi parfait avant que je fasse n'importe quoi et que je me barre dans les plantes. Drift au bonus. Donc encore une fois un bonus de drift. Là c'est la route que j'avais pas vue tout à l'heure mais que j'avais plutôt bien faite. Et au moins tout à l'heure j'avais pas cette saleté de flic au cul. Phaser the throttle. Hop. Et on accélère, on accélère, on accélère et on finit comme il faut. Fou. Fou. 119. On est sur la bonne voie. Hop, un peu d'XP.
Et on continue. Allez, charge-toi. Alors, on arrive à Red Mountain Pass, Million Dollar Highway, dans le Colorado. 205 km/h, ça diminue un petit peu. On a fait 1300 km sur 6005 par là. C'est pas mal, on s'approche, on s'approche. Puisque ce qui est drôle pour moi, j'étais en train d'y penser qu'en fait, si ça se trouve, vous allez voir cet épisode dans 3 mois par rapport au moment où je l'ai tourné. Si je fais une référence politique ou un truc comme ça, ça pourrait être très drôle. Ah, je voulais la station service. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait dans une station-service ? Ça fait vachement longtemps que je vois qu'il me le propose. Changer de voiture. Ah ouais, effectivement. Non, Porsche, Nissan. Mmh. Ah oui, j'en ai plein quand même. Pourquoi j'ai deux M3 ? C'est les mêmes. Ah, Maserati. Allez, on va prendre la Nissan GTR. Ah, quelle couleur ? Rouge peut-être ? Non. Noir. Fantôme. Alors, stock. Racer Pack. Désolé si je viens de vous exploser. Oh oui. Ouh yeah. Ah, je peux rechanger la couleur. Jaune. Jaune, c'est une couleur pour une Nissan, jaune. Ouh. Ouh. Yeah. Bon, je ne sais pas comment je fais pour changer de voiture dans une station service, hein, faut pas me demander. Alors, contrairement aux deux derniers... Contrairement, comme j'ai essayé de le dire précédemment avant de crever, contrairement aux deux dernières qui étaient des propulsions, je crois que la V12 Vantage est une propulsion. Celle-ci est une 4 roues motrices, la GTR. Et c'est une voiture qui n'a, il me semble, jamais été vendue en dehors du Japon. C'est une voiture que j'aime pas mal. En même temps, ça se voit puisque depuis le début, je crois que je n'ai fait quasiment que des Nissan. Enfin, j'ai beaucoup parlé de Nissan puisque ma première était la Fair Lady. Après, j'ai parlé des 350, 370, des deux... j'ai failli dire pétasse, mais des deux nanas. Ah bah merci, merci de m'avoir poussé dans le raccourci. Hein. Hop, on stabilise et on relance. Hop, voilà. C'est parti, c'est parti. Donc, une épingle. Je me la fais en 4x4, off-road. J'avais presque réussi à passer le 113 sans problème. S'il y avait un bonus pour le nombre de trucs qu'on détruit, je pense que j'aurais tout gagné. Ah, mais bouge! C'est terrible, on a vraiment l'impression que les voitures sont magnétiques. J'aimerais bien avoir une Toyota Treno parce que j'ai toujours été un grand fan d'Initial D. C'est marrant en fait, c'est la série dans laquelle je parle le plus de moi, je suis en train de remarquer, par rapport à toutes les autres que je fais où j'ai tendance à vraiment, vraiment très très peu parler de moi. Alors que celle-là, c'est vrai que je... Oulala, elle ressemble plus à rien, ma GTR. J'ai l'impression que je parle effectivement beaucoup plus de moi dans tout ça. Mais bon, peut-être, hein.
tout cas, bah, si je parle beaucoup de bois, j'espère que je ne vous ennuie pas avec ma vie et tout ça, hein. Plus qu'autre chose. C'est bien parce qu'au moment où l'épisode va être publié, je vais avoir complètement oublié ce que j'ai raconté dedans. En même temps, c'est bien, ça fera une petite, un petit truc marrant pour moi, hein. Log Hill, Million Dollar Highway, toujours dans le Colorado. Ce sera tout très drôle de me réécouter et de revoir ce que je dis, même si je déteste en général me réécouter. C'est vraiment quelque chose que je supporte pas beaucoup, puisqu'à chaque fois, je trouve toujours que j'ai fait une erreur, j'ai pas dit exactement le mot qu'il fallait ou tout ça, et du coup, c'est un... J'aime pas, quoi. J'aime pas me réécouter. En même temps, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment s'entendre ou se réentendre parler. ouais, mais moi non plus, je serais pas capable de rester dans ces... Dans ces corners. Ok, c'est pas cool parce que là il y a quasi pas de guardrails. Et moi je pense que mon style de conduite est visible. Je conduis dans les guardrails. Voilà. Bah oui, bah forcément que je suis encore mobile, espèce d'idiot. En même temps, je suis en train de répondre au... Je suis en train de répondre aux commentaires de la radio de la police, mais je sais pas si vous l'entendez bien. Donc du coup, si vous ne l'entendez pas bien, en fait, j'ai l'impression... Enfin, vous devrez avoir l'impression que je suis en train de raconter des... D'insulter du vent. Ce qui est un peu le cas. Bah, ça serait bien que je le passe, lui. Hop. Ah, c'est quand même violent, c'est ce genre de passe de montagne. C'est bien parce qu'ils ont décidé maintenant, les flics, de me tuer. Ça, j'avais pas prévu le fait que la route soit hyper humide. C'est vraiment, non, la GTR est vraiment, vraiment super pour ce que je suis en train de faire. Wow, ça, c'était juste. Ça aussi. Alors, ce flic est quasi mort aussi, j'ai l'impression. Là, je ne vois plus la route, encore une fois. Ah. Donc le temps que je respawn, il m'est passé devant lui. En même temps, ça serait bien si dans la vie on pouvait respawn comme ça. Ça serait bien s'il ralentissait un petit peu le temps que je le double. Je crois qu'il a eu un accident avec un flic. En fait, les flics sont super utiles dans ce jeu, je suis en train de voir. Ça devient épique. Ça devient vraiment épique. Je retrouve l'esprit du Need for Speed beaucoup plus que depuis le début. J'allais dire à l'épisode X, mais... Ouh, yeah. Mais le problème, c'est que j'ai aucune idée de l'épisode combien on est. Oui, forcément, ça paraît logique une fois qu'on le lit, mais je pense que j'ai déjà dit, je tourne quasiment une fois pour ensuite découper en épisode d'à peu près 20 minutes et les poster. Ouh, on a fini le stage 4. Ouh, on a fini le stage 4. Donc je pense que ça va être la fin d'un épisode, je ne suis pas certain. Et c'est possible, et vu comment je commence à avoir mal à la gorge, parce qu'à force, ça fait quand même 58 minutes 30 pour moi que je radote, plus les 40 et quelques que j'ai fait précédemment, plus encore tout ce que j'ai fait avant, ça commence à faire beaucoup pour aujourd'hui.
Donc du coup, moi je vais faire une pause, donc ça va faire la fin de l'épisode pour ça, donc bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon appétit, etc., tout ça comme d'habitude. Et puis, on se voit très bientôt pour un autre épisode de Need for Speed.